Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, mercredi 16 novembre 2016, on va parler de la vulnérabilité CVE 2016-4484. Alors, cette vulnérabilité, c'est un petit peu comme celle qu'on a eue il y a quelques mois qui était semblable à Grub, là. Si vous vous rappelez, si on protège Grub par un mot de passe, au bout de 25 fois on appuie sur la touche retour, on arrive à démarrer quand même. Oh là là, quelle faille de sécurité! Eh bien, ici, cette CVE 2016-4484, dont vous avez peut-être entendu parler, mais pas sous ce nom-là, sur certains sites, j'ai vu un article sur ZDNet là-dessus. Cette faille, en fait, elle dit quoi? Elle dit que pour les systèmes dont une partition est chiffrée à l'installation, eh ben, on peut accéder quand même à une console et accéder au disque. Alors, on va faire un petit cas concret. J'ai installé une Ubuntu, voilà, avec une partition chiffrée. Donc, quand le système démarre, voilà, il nous demande la passphrase du conteneur, voilà. Il a besoin de débloquer le disque, donc on marque sa passphrase et en faisant ça, boum, Ubuntu démarre. Et là, notre système démarre. Ok. Eh bien, la vulnérabilité, vous allez voir, elle n'est pas très compliquée à exploiter puisque c'est au bout d'un certain nombre de fois où on appuie sur la touche entrée, enfin, en tout cas, au bout d'un certain nombre de fois où on met un mot de passe incorrect. Ici, qu'on va rentrer dans un shell initram fs. Alors, là, j'appuie sur entrée, enfin, je laisse appuyer sur la touche entrée pour, si vous voulez, faire un certain nombre infini de mots de passe incorrects. Vous voyez, sous Ubuntu 16.04, là, il y a les petits points qui s'allument et qui s'éteignent. Comme quoi, le processus d'amorçage est en cours. On va arriver sur une console initram fs. Alors, le fichier initram fs, il est généré en même temps que le noyau sur la plupart des distributions. Et en fait, c'est un mini système de fichiers qui va se charger en mémoire RAM, qui va avoir les petits outils qui vont bien pour démarrer le processus d'initialisation de Linux. Donc là, vous voyez, l'écran scintille, voilà, donc je laisse appuyer sur Entrée. Et puis, il y a un moment, donc, extraordinaire, on va rentrer dans la fameuse console initramfs. Donc on va pouvoir dire, oulala, on va pouvoir commencer à prendre le contrôle de la machine. Voilà, le voilà. Donc vous voyez ici, bon, c'est écrit en bleu sur... c'est écrit en bleu, alors je me mets en plein écran là. C'est écrit en bleu sur noir. Alors c'est effectivement, c'est pas très lisible. Manque de bol, mais c'est pas bien grave. Donc on va grossir un peu, voilà. Donc, vous voyez ici, c'est marqué initramfs entre parenthèses, donc... On est dans le initramfs. On a des commandes de base, donc ls, vous voyez. Ici, on a quelques fichiers à la racine. On peut se déplacer dans les dossiers, hein, cdetc, ls. Donc là, on est dans le système initramfs. Donc c'est-à-dire que c'est absolument pas le disque qui tourne. Vous voyez, même dans mon ls, ls slash, on n'a pas de slash boot. C'est un système de fichiers vraiment minimal. Donc là, on a la commande ls, on a la commande cd. On n'a pas le slash home, hein, puisque c'est vraiment minimal. Donc si par exemple, on se dit, bah tiens, on veut monter slash boot. Slash boot, c'est quand même une partition qui n'est pas chiffrée sur mon disque. Donc mount, c'est dev sda1, donc dev sda1 dans slash tmp. Là, on fait ls slash tmp, et oh magie, on voit les initrd et compagnie. Même test, le grub, enfin bref, on voit tout, on voit notre noyau. Donc là, on fait un more config machin, enfin more slash tmp, qui est notre slash boot sur le disque, config truc bidule, vous voyez, là, on voit toutes les infos, enfin toute la config du noyau. Bon, c'est cool. Alors, est-ce qu'il faut en faire quand même tout un pataquès et dire, oh là là, il y a une faille à tout casser? Ben non, parce que regardez, je vais démonter
ce truc là, voilà. Donc maintenant si je fais un ls slash tmp, on n'a plus rien. Si on essaye de monter la partition racine, donc qui est chiffrée, donc dev sda 2, ça marche pas. Attendez, dans tmp, et qu'on fait un ls slash tmp, ça marche pas. Vu que c'est un conteneur chiffré, normalement c'est un LVM, donc on fait dev mapper, et là on n'a que contrôle. Et dans tous les cas, on ne pourra pas monter notre système de fichiers chiffrés, parce qu'on n'a pas la passe-phrase, donc dans tous les cas, même avec ce noyau-là, enfin ce shell-là, on va pouvoir accéder qu'aux partitions non chiffrées. Et d'ailleurs, c'est précisé dans le fichier, enfin dans le CVE, là, dans le rapport de vulnérabilité. Alors, est-ce que c'est un drame en soi? Alors, d'un point de vue serveur, si on chiffre son serveur, il faut déjà quand même accéder physiquement au serveur. Donc, en principe, dans des entreprises, on a toujours un accès physique, badge, code pour rentrer dans une salle informatique. Donc déjà, il faut accéder physiquement au truc. Il faut redémarrer le serveur. Et puis, il faut déjà avoir un écran aussi et un clavier. Et s'exciter sur les mots de passe. Et là, seulement, on va pouvoir accéder à ça. Et encore, les partitions chiffrées, eh ben, elles sont inaccessibles. Donc, on n'a que les partitions en clair. Donc, si on est un malade du chiffrement, on va chiffrer tout, sauf slash boot, puisqu'on en a besoin pour démarrer. Donc, est-ce que c'est vraiment dramatique en soi? Ben non, parce qu'il y a quand même pas mal de barrières à franchir avant. Si c'est dans le cas d'un ordinateur portable, on pourrait se dire, ah bah oui, c'est vrai qu'on a l'accès physique tout de suite à l'ordinateur, oui, ça peut être dangereux. Oui, mais dans un ordinateur portable, vous enlevez le disque dur de l'ordinateur portable en question, vous le branchez dans un truc USB ou vous le mettez directement en SATA le disque dur sur une autre machine, et vous pouvez ouvrir tout autant la partition non chiffrée en question. Même vous pouvez démarrer sur un live CD et puis vous retrouvez dans le même cas, hein, vous pouvez ouvrir les partitions qui sont non chiffrées. Donc est-ce qu'il faut en faire vraiment tout un plat comme certains sites de désinformation informatique qui ne connaissent absolument pas Linux et qui voilà, ils rapportent ce qu'ils ont vu sans approfondir, c'est le cas de pas mal de sites qui ne voient que par Windows, et puis dès qu'on peut cracher un peu sur Linux, là, allez hop, on y va. Il y a quand même vraiment beaucoup de barrières à franchir avant de faire du mal, sachant que là, concrètement, on ne pourra même pas toucher au système de fichiers qui est chiffré, on ne pourra pas accéder au système de fichiers. Alors oui, on pourra l'effacer, on peut l'effacer, pourquoi pas, parce que là, si je fais un... Je sais même pas si MKFS... Est-ce que la commande MKFS... Non, la commande MKFS, elle n'est même pas là. Fdisk, elle est là? Non, elle n'est pas là non plus. Donc vous voyez, on n'a même pas de DD. Ah si, on a DD. On a la commande DD. Donc à la limite, bon là je peux pas annuler. À la limite, on peut peut-être faire un DD IF, je sais pas quoi, IF SDA1, OF SDA2, puis on peut bousiller le système de fichiers. Pourquoi pas? Mais si on bousille le système de fichiers, on récupère pas les données qui sont chiffrées et potentiellement qui seraient confidentielles. Donc certes, on peut casser la machine, mais on ne peut absolument pas récupérer les fichiers qui sont chiffrés sur la partition. Voilà. Donc c'était un petit aparté sur cette CVE 2016-4484, qui finalement, si vous lisez que oh là là, c'est un drame, c'est une catastrophe naturelle, bah en fait non, il n'y a pas mort d'homme. C'est pas si dramatique que ça. Voilà. Et ben c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Et donc, sur mon humble avis, ce n'est que mon avis, ce n'est pas un truc olé olé. Après, si vous n'êtes pas du même avis que moi, ou que vous mettez un pouce rouge sur la vidéo parce que vous dites oh, regarde-moi ce con-là, là, il dit n'importe quoi, et ben au lieu de mettre juste le petit pouce rouge, mettez un commentaire sous la vidéo et puis dites pourquoi vous n'êtes pas d'accord, dites pourquoi ce que je dis c'est n'importe quoi, et on peut discuter et peut-être que je dis n'importe quoi. Mais si vous mettez juste un pouce rouge ou vous mettez juste tu dis de la merde, ce serait bien d'argumenter dans la vidéo, enfin dans les commentaires de la vidéo, parce que finalement, on fait tous des erreurs et on apprend de ces erreurs. Mais pour moi, cette vulnérabilité,
Il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!